On est prêt pour le départ. On vient de quitter Métabier, ça y est. Et maintenant, on va monter direct sur le Mont d'Or. Et j'ai trop chaud. Pour le moment, on a fait le choix de ne pas mettre les raquettes. Tout simplement parce que la piste, elle est bien damée. On progresse moins bien avec les raquettes. Donc c'est sans intérêt, en fait. Chaussée à raquette. Maintenant, on marche vraiment sur les crêtes. Le soleil est en train de descendre, c'est la fin de la journée. Je ne cache pas que cette première journée, elle est un peu compliquée. Ce matin, Carole, elle est partie avec un petit mal de dos. Du coup, on est parti sur un rythme un petit peu pépère. Et sur une grosse journée quand même. On a 5 à 6 heures de marche. Et là, fini, c'est un peu compliqué. On a décidé de couper par les pistes de scouton pour raccourcir un petit peu l'étape. Mais Carole est vraiment fatiguée. On doit avoir encore 3 quarts d'heure de marche peut-être. On va arriver. Alors ce soir, on dort dans une petite yourte. Bon, pas sous. Ils ont fermé, on dirait qu'ils ont fermé en fait volontairement. Presque. Regarde, derrière ils ont. Est-ce qu'on est bien sur la trace, les amis? Oui, c'est raquette. C'est la trace raquette. Après, je sais pas, tu vois des boutons jaunes après. Si, bon, allez. Allez, ouf, on y va. Oups. Déjà 4 km en 1 heure ce matin, on avance bien, c'est plus vite que les jours précédents. Et
là, on arrive à une patte d'oie, il y a un petit piège. Alors, on va laisser une indication aux copains là, qui sont derrière, pour pas qu'ils se trompent. Voilà. Donc, avec ça, il n'y a pas moyen qu'ils se trompent. Hein. Voilà. Ah, le piège, il est là, ouais, avec la petite patte d'oie là. On est monté à droite, nous, avant de se rendre compte que c'était plus bas. Il ne devrait pas se tromper comme ça. C'est raide! Et là, c'est super raide, quoi. Super beau, par contre. Alors, c'est dur? Alors aujourd'hui c'est notre quatrième jour de marche. C'est la liaison le Prédo et je sais plus où on va, chez l'Aimé. Il est à peu près 9h. On a fait le choix de ne pas mettre les raquettes, mais il faut faire attention parce que le sol est gelé. Donc voilà. Il fait super beau. On a déjà quitté les manteaux, les bonnets, les gants. Du coup, le sac est super lourd, il faut tout porter. Allez, la chute dans la boue. Ça y est, on a de quoi se réchauffer ce matin. On attaque déjà par une super montée. On vient de partir. Pour ceux qui voudraient se lancer dans les raquettes et qui n'en ont jamais fait,
reprends mon souffle. Sachez que une montée, c'est quand même beaucoup plus dur en raquette qu'à pied. Alors, sur vos raquettes, vous avez des petites talonnettes. Les petites talonnettes, elles sont là pour les monter, justement. Il faut bien penser à les mettre. Ça économisera votre effort de façon considérable. Ça monte toujours après, il n'y a pas de plat. On commence par monter un mur ce matin. On a intérêt à prendre notre temps. La montre, certains passages allaient monter à 30%. Là, on est en train de se faire la descente sur le bois d'Amont. Il y a vraiment une neige ici. Et on va descendre là, ce qu'on appelle la combe. Alors la combe, c'est une grande ligne droite de 8,5 km entre le bois d'Amont et la station reconnue des Russes. Ouais, la combe, on la voit là, elle est bizarre. La combe là, c'est ce qu'il y a entre les maisons, tu vois.